Ouais. Il y aura des fantômes. Non. De la musique angoissante. Bah non. Des rencontres effrayantes. Toujours pas. De suspense. Non plus. Au moins des histoires incroyables ou épouvantables. C'est nul. Ouais, passons. Il y a quand même un gros canon. Ouais, des obusiers de 75 mm. 30 coups à la minute, 12 km de portée. À l'entrée d'un bloc de combat, un système de ventilation manuel. Toujours sur notre système de ventilation, on a un dispositif de fermeture ou d'ouverture des conduits qui distribuent l'air dans les différentes parties de l'installation. Placé à côté du volant, un indicateur de position du volet d'obturation. Au pied d'une cloche GFM pour guetteur et fusil mitrailleur, un monte-munitions pour l'approvisionnement de l'arme située dans la cloche. Toujours dans la cloche GFM, le mécanisme qui permet de monter et descendre le plateau. Avec sur le bas un système à chaîne et sur le haut un volant. Il existe également des systèmes à câbles pour des structures plus légères. La fermeture d'une porte étanche, le volet d'un poste de tir et d'une porte carrée qui se trouve directement dans un bloc de combat. Dans un poste d'observation de tir, un volet métallique pour protéger les observateurs. Mouais, ça manque vraiment de mise en scène pour être de l'urbex. Hein. Je suis pas doué pour ça et j'ai pas que ça à faire. Et en plus, on peut même savoir où c'est. Eh oui, moi je partage.